Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour. Dzień dobry. C'est en polonais, hein, dzień dobry. Comment? Jak się masz? Dobrze. A ty? Dobrze. Dobrze. Też dobrze. Też dobrze. Donc, bienvenue à la deuxième conférence dans le cadre du projet scientifico-pédagogique polono-français Langage de la littérature polonaise du 21e siècle. Merci pour votre présence ce matin à Clermont-Ferrand, à la Maison des Sciences de l'Homme, également sur Teams, quelque part en Pologne et en France. Vous savez déjà que je m'appelle Piotr Severin Rossol et je me suis embauché volontiers pour animer nos rencontres cycliques avec la littérature polonaise contemporaine. Ce projet est financé par NAVA, l'Agence nationale d'échange universitaire, dans le cadre du programme promotion de la langue polonaise 2022. Il est réalisé par l'Institut de recherche littéraire Académie polonaise des sciences, Varsovie, en coopération avec département d'études slaves, UFR, langue, culture, communication, université, Clermont-Auvergne et maison de sciences de l'homme. Je tiens à remercier tous les quatre. L'idée générale du projet consiste à représenter le langage de la littérature polonaise du 21e siècle sur fond de phénomènes sociaux, politiques et culturels significatifs à travers des écrivains et des écrivaines le plus important à présent en Pologne, dont les œuvres sont à la fois uniques, idiomatiques et caractéristiques, représentatives pour des tendances esthétiques ou discursives plus larges. Voici la page Facebook du projet où on communique toutes les informations, où on publie tous les matériaux. Pour cette année, nous avons prévu 7 conférences à la Maison des Sciences de l'Homme et par Teams sur 7 écrivains polonais ou écrivaines polonaises et donc finalement sur 7 langues littéraires extraordinaires et cette langue commune ordinaire, présentée par 7 spécialistes de 7 villes, dont 3 capitales, Paris, Varsovie et Prague. Ce qui aboutira à 7 vidéos, 7 reportages photos, un livre, elle aussi composée de 7 parties. Alors il y a hashtag 7x7. Dans le programme, parmi le sujet abordé, vous trouverez le langage de la deuxième génération de la Shoah, c'était la première conférence de Małgorzata Smolan-Goldberg sur Bożena-Naomi Skakew, puis nouvelle masculinité, ça sera Wojciech Szmija sur Szczepan Fardor, il y a encore pop, culture, Kinga Siatkowska-Kalba sur Dorota Masłowska, empathie historique, moi sur Olga Tokarczuk, Europe centrale, Mateusz Chmurski sur Andrzej Stasiuk et enfin LGBT+, et donc Piotr Sobolczyk sur Michał Witkowski. C'est justement Piotr Sobolczyk, professeur de l'Institut des recherches littéraires, Académie polonaise des sciences, Varsovie, avec qui j'ai donc préparé ce projet. Merci Piotr pour cette coopération harmonieuse, fructueuse. Et aujourd'hui, Katarzyna Lisowska, avec une intervention intitulée Isabella Morska ou le langage du féminisme polonais. Il y a beaucoup de ska, tous ces noms de femmes. Merci Katarzyna d'avoir accepté l'invitation. Tu es
maîtresse des conférences au département de théorie littéraire, Institut de philologie polonaise, faculté des lettres, Université de Wrocław. Tu te spécialises dans les études de genre, le féminisme et la théorie queer. Tu as publié, entre autres, Métaphorique, dont le discours de genre au sein d'études polonaises après 1989. Voilà la couverture du livre. Metaforyczność dyskusji genderowej polskiego literaturoznawstwa po 1989 roku. Le livre paru à Cracovie en 2019. Dans ce livre, tu reconstruis le discours de genre et notamment ce métaphore. Le discours assez riche est bien ancré à présent dans les études polonaises et la vie académique en Pologne, largement utilisé comme un outil d'interprétation, surtout de textes littéraires classiques et contemporains, et pourtant plutôt modeste en ce qui concerne la réflexion théorique et la méta-réflexion méthodique, définition, classification, catégorisation, etc. D'ailleurs, ce peut être ce qui est caractéristique pour ce discours de genre polonais, ce que les frontières entre tout ce langage, genre, queer, gay, lesbienne, men's studies, etc., etc., sont plutôt floues. Parce qu'ils ont apparu à peu près en même temps, dans les années 90, en tant qu'un ensemble déjà mélangé. Le discours de genre, alors tout un éventail de langage qui place le genre au cœur de l'interprétation de la culture, pour toi notamment, c'est surtout la littérature et de la réflexion sociale et politique. Le genre y est considéré comme une construction sociale, culturelle, par opposition au sexe, donc une notion purement biologique, mais aussi en dialogue avec celui-ci. De manière générale, le genre désigne les processus sociaux, donc par définition non naturels, par lequel les identités sexuées et sexuelles sont produites en obtenant, par exemple par la socialisation, de rôles différenciés qui peuvent varier dans le temps et l'espace. Les études de genre forment un champ de recherche pluridisciplinaire dans tout le domaine des sciences humaines et sociales, histoire, sociologie, anthropologie, philosophie, psychologie, économie, sciences politiques, géographie, etc. Toi, Katarzyna, tu te focalises sur la littérature polonaise et le discours littéraire. La théorie littéraire polonaise. La césure de 1989 est évidente car l'apparition de la Pologne libre, la Troisième République, a donné naissance à de nombreux langages jusqu'ici inimaginables ou impensables. Bien que le régime socialiste, communiste, propageait l'émancipation et développait l'égalité femmes-hommes sur le plan économique et social, il y avait ce fameux slogan « femme au tracteur », mais il y avait aussi l'égalisation de l'IVG en 1956, alors 20 ans avant la France. Offrant ce régime, mais aussi la société polonaise, restait à la fois puritain et patriarcal. Pourtant, c'est vrai aussi qu'avant 1989, il y avait quelques livres pionniers qui précédaient et annonçaient cette explosion, révolution, langagière à venir, par exemple la série Transgression en 7 volumes sous la direction de Maria Janion. En plus, évidemment, le source du discours de genre au sens large se trouve aussi dans le proto-féminisme puis féminisme qui date en Pologne au début du 19e siècle.
Je cite quelques noms: Clementyna Stańskich-Hoffmanowa, Eleonora Ziemiecka, puis Narcyza Żmichowska, Eliza Orzeszkowa. Et puis il se développe au XXe siècle: Maria Konopnicka, Zofia Naukowska, Irena Krzywicka, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Dans cette histoire de combat littéraire et politique, il y a plusieurs femmes écrivaines et militantes, mais aussi quelques hommes qui soutenaient le féminisme, notamment Tadeusz Boy Żeleński. Il faut noter aussi que les femmes polonaises ont obtenu le plein droit électoral déjà au début de la Deuxième République, à savoir en 1918, et donc 26 ans avant les femmes françaises. Une fois des droits politiques de base acquis, le féminisme polonais commence le combat pour la pleine égalité et émancipation, la libération des dépendances économiques, culturelles, affectives, sexuelles par rapport aux hommes. Les combats qui restent, on peut dire, à nos jours inachevés, prenons en compte par exemple la question de l'IVG qui est depuis 1993 quasiment ou pratiquement illégale en Pologne. Mais, donc, quelles mesures, et ça c'est la question à Katarzyna Lisowska, ce féminisme politique peut se nourrir du féminisme académique qui s'inscrit dans le discours de genre. Là, il y a un problème majeur, car ce dernier est constructiviste, et d'ailleurs très proche de queer, tandis que le premier, pour être politiquement efficace, reste plus ou moins essentiel. Constructiviste, ça veut dire que le genre est construit, hein, socialement, culturellement, et puis ses recherches, discours de genre, cherchent la manifestation dans la littérature, par exemple, la manifestation de ce processus de construire, reconstruire, déconstruire le genre. Tandis que pour le féminisme politique, c'est plutôt l'identité stable, parce que sans identité stable, le discours politique n'est pas efficace. Donc, autrement dit, c'est difficile de faire alliance entre le féminisme politique et le discours académique qui décrit la féminité, ou plutôt la féminité, entre guillemets, car toujours en devenir, comme une condition constamment questionnée, réinterprétée, ou même une sorte de non-identité queer, au pluriel, non-identité queer, qui sont caractérisées par leur flexibilité, mobilité, marginalité. Et d'ailleurs, de métaphores que tu étudies, parmi ces métaphores, on retrouve par exemple un sujet vulnérable, fragile, on retrouve aussi donc cette flexibilité, mais aussi l'absence, l'invisibilité, voilà. Pour ce langage-là, le langage, plusieurs langages de genre, il y a aussi plusieurs métaphores étudiées effectivement par Katarzyna Lisowska. En plus, la théorie et la pratique queer dépassent non seulement l'identité stable soutenue par le féminisme et les études gays et lesbiennes, car considérées comme trop réductionnistes, est toujours trop essentialiste, mais aussi queer dépasse de plus en plus le discours de genre lui-même, parce que la catégorie de la féminité et masculinité, ainsi que l'opposition homo-hétérosexualité, sont remplacées par le pluralisme indéfinissable, finalement. Par conséquent, la différence sexuelle se situe à la fois hors du binarisme de sexe et hors du pluralisme de genre. Et en plus, queer, qui propose cross-reading, reading across, la lecture transversale, croisée de la culture dans son ensemble,
ne se limite pas à la sexualité ni à l'identité non normative, mais se focalise finalement, selon sa fondatrice majeure, Eve Kosowski-Sedgwick, sur toute la problématique contemporaine abordée par tous les discours post-structuralistes et post-modernes, y compris langue, religion, nationalité, appartenance ethnique et sociale, etc., etc. Donc finalement, c'est un outil à travers lequel on peut reconstituer le canon de la littérature polonaise et ce qui se passe en ce moment, par exemple, la parution du livre « Désorientation », qui cherche, voilà, à la marge des poètes comme Mickiewicz, par exemple, donc des poètes, voilà, les plus importants, des poètes classiques, des éléments, des motifs queer, qu'on pense qu'ils sont queer aujourd'hui. Donc il s'agit vraiment de la culture dans son ensemble, regarder de cette perspective nouvelle. Cette approche-là est proche de Katarzyna Lisowska et aussi pour Izabela Morska-Filippi, dont l'amnésie absolue, Absolutna Amnesia, parue en 1995, est considérée par la critique dès le début comme le premier roman féministe polonais. Alors, féministe, ça veut dire que ce roman dépasse une qualification d'écriture féminine et le champ d'études de femmes. Pourtant, ce livre-là, c'est aussi ce qui échappait à la critique de l'époque, le premier roman lesbien et peut-être le premier roman queer également. Tout comme son essai Le Région des différences, Obszary Odmienności, paru en 2006, consacré à Maria Konopnicka, Piotr Odmieniec-Włast, est aussi un livre pionnier dans le domaine de recherche queer. Donc, deux noms, voilà, un nom double, au moins double identité. Et d'ailleurs, Izabela Morska, elle aussi, hein, elle a changé son nom de famille. C'était Izabela Filippi, elle maintenant Izabela Morska. Donc c'est un geste tout à fait queer, hein, de déstabiliser l'identité stable. On voit ainsi peut-être l'évolution de langage du genre, même s'ils sont apparus, ce que je viens de dire, quasiment simultanément. Mais cette évolution qui commence dans les années 90 par tout d'abord le féminisme, puis les études de genre, et se développe dans les études gays et lesbiennes qui deviennent ensuite de plus en plus queer. Voilà peut-être la chronologie, comme ça on peut reconstituer cette chronologie ainsi. Vous comprenez également que Izabela Morska, d'ailleurs comme Bożena Umińska-Kef, que l'on a découvert il y a 3 semaines lors de la première conférence, est à la fois écrivaine et chercheuse. Et justement, ce double rôle fait qu'elle combine dans son œuvre tout le langage du féminisme polonais, à savoir le langage académique, littéraire, enfin politique et social. Et c'est justement le sujet d'intervention de Katarzyna Lisowska, à qui je laisse enfin la parole, en plus pour qui je libère la place. Bonjour. D'être venu. Alors, c'est le sujet de mon intervention pour aujourd'hui. Comme Piotr a déjà dit, Izabela Morska ou le langage du féminisme polonais. Polonais. Mm-hmm. Okay. Alors,
ce titre même est un peu compliqué parce que, comme Piotr a déjà dit, féminisme, féminité, pour Isabella Morska, ce sont des phénomènes très complexes. Je vais essayer de me présenter dans cette intervention. Mais je commence par le contexte. Piotr a déjà dit quelque chose sur ce sujet. Bien sûr, cette période de transformation est très, très importante, mais normalement on dit que c'est un peu plutôt la date, date symbolique. Mais bien sûr, avec la transformation, beaucoup de choses ont changé en Pologne, surtout au niveau de l'académie, parce qu'à ce moment-là, on a finalement pu se contacter avec le monde entier pour obtenir la théorie du genre féminin, etc. etc. Piotr a aussi mentionné le compromis concernant l'EVG en Pologne. J'utilise une guillemets ici parce que dans le discours féministe, féminin en Pologne, on dit que ce n'est pas un vrai compromis. Parce qu'en en fait, avant la transformation, l'IVG était assez légal en Pologne, avec ce compromis qui était une décision prise par le gouvernement de l'Église catholique qui n'a pas fait aucune référence au besoin des femmes. Avec ce compromis, l'EVG est devenu presque illégal en Pologne, mais comme vous voyez, il y a 12 ans que la situation est devenue encore plus grave en Pologne avec le verdict du tribunal constitutionnel. Encore une fois, guillemets, parce qu'en Pologne, on dit que ce n'est pas un vrai verdict. C'est une décision politique du tribunal constitutionnel qui est dirigée maintenant par une femme qui est amie de Jarosław Kaczyński, un homme politique très, très puissant en Pologne. À cause de ce verdict, l'IVG en Pologne est devenu encore plus illégal. Maintenant, c'est très difficile d'avoir l'IVG légal en Pologne. Mais ce processus a commencé il y a, comme vous voyez, 6 ans de 2016. À ce moment-là, on avait Czarny Protest, la grève noire en Pologne, parce que il y a déjà à ce moment, le gouvernement a essayé de changer les lois concernant l'EVG en Pologne. Mais ce protest, Czarny Protest, était très très fort. Alors, on a arrêté ce changement pour quelques années, mais comme vous voyez, enfin, le gouvernement a aussi utilisé la pandémie, le fait que les gens étaient fermés à la maison pour rendre la situation des femmes en Pologne encore plus compliquée. En général, République populaire de Pologne, alors on revient au passé, était une construction très compliquée. C'est vrai que là, on n'avait pas de mouvement féminin comme en France ou aux États-Unis, mais il y avait aussi un mouvement de femmes, mais avec son propre histoire. C'était quelque chose un peu différent. Mais, comme Piotr a dit, il y avait aussi ce slogan que femmes devaient travailler aussi bien que les hommes. Mais souvent on dit qu'à cause de ça, il n'y avait pas beaucoup de discussions sur l'émancipation, l'égalité femmes-hommes, parce qu'on a décidé, le gouvernement a décidé que c'est déjà réglé. Ici, nous sommes dans la République populaire de Pologne, alors il n'y a pas besoin de s'organiser parce que c'est déjà réglé, c'est la démocratie populaire, alors tout va bien. Mais aussi, on dit souvent que cette période était très, très conservative au niveau de sexualité et du genre. Alors, femmes, c'est vrai, ont obtenu beaucoup de droits, l'IVG, le travail, etc., etc. Mais en même temps, ils ont resté femmes au ménage, femmes à la maison. Alors, on dit que des femmes
depuis ce moment, travaille aux deux niveaux, à la maison, mais aussi au niveau professionnel. Il n'y avait pas beaucoup de discussions sur la sexualité, par exemple, non-hétérosexualité en Pologne, pendant des années, était, on peut dire, comme un mystère. Il n'y avait pas un lobby fort, mais en même temps, il n'y avait pas beaucoup de discussions sur la sexualité. Alors, l'idée, c'était que personnes qui ne sont pas hétérosexuelles peuvent pratiquer leur sexualité, mais pas les montrer ou dehors. C'est une chose privée, alors on ne les discute pas. C'est quelque chose comme un mystère, un peu le domaine de Dante, une chose comme ça. Bien sûr, comme j'ai déjà dit, je crois que vous le voyez très bien, le rôle de l'Église catholique en Pologne est très important, puissant, aussi au niveau de la vie des femmes, le féminisme. Alors c'est toujours un acteur, une institution qui est très puissant et qui forme la situation des femmes en Pologne. Le problème de vague du féminisme en Pologne, c'est une chose beaucoup plus compliquée que par exemple aux États-Unis. Peut-être je ne vais pas le discuter en détail, mais cette période de République populaire de Pologne a aussi influencé l'histoire du féminisme, de période de vague, de période des idées différentes en Pologne. Comme j'ai déjà dit, on dit que cette date de transformation est une date très importante, un peu symbolique, parce qu'il y avait aussi des traces de mouvements féministes avant, par exemple dans l'art des années 1970. Il y avait par exemple une artiste, Natalia LL, qui est morte il y a quelques mois en fait. Elle a organisé une présentation, une exposition d'art de femmes en Pologne, en fait à Wrocław, ma vie, dans cette époque. Comme Piotr a déjà dit, il y avait aussi la publication la série Transgressie, mais aussi quelques traductions de textes classiques de féminisme. Mais c'est vrai qu'avec la transformation, ce mouvement de femmes, les études féministes, les études de femmes ont devenu plus fortes et plus puissantes en Pologne. Par exemple, on avait beaucoup de journaux féminines ou féministes. Comme vous voyez, la majorité de ces journaux n'existent pas. Mais à l'époque, il était assez important. Beaucoup de textes classiques de féminisme, de queer, comme Judith Butler ou d'autres auteurs, ont été publiés en traduction dans ces journaux. Et aussi, à l'époque, l'institutionnalisation de l'académie des études de femmes, de genre, a commencé. Et puis, on a des années 90e, et c'est on qui est mentionné ici au début, on très important parce qu'il y avait deux journaux. Brouillon, c'était un journal très important de la littérature, et aussi Respublika Nova. Dans ce volume, on a publié des textes de, par exemple, Isabella Filipiak, aujourd'hui Morska, ou Olga Tokarczuk, qui à l'époque était associée avec la littérature féminine. Aussi, Texte Drugie, c'est un journal académique très important, journal de la théorie de la littérature en Pologne. À l'époque, il y avait deux volumes de ce journal avec des textes consacrés au féminisme. Alors, des textes polonais, mais aussi des traductions, par exemple, de Rie de Meduse, de Hélène Sixou, et aussi le texte de Luz Rigaray. Enfin, Absolutna Amnesia est publié. Monika Świerkosz, c'est une
enseignante qui s'occupe de la théorie féminine, féministe en Pologne. Elle dit que la parution de Absolute Amnesia a tout changé parce qu'avant, avant sa parution, la littérature des femmes, littérature féminine, a été assez bien reçue, bien commentée par des critiques, par des journaux. On la regardait comme une partie de la nouvelle littérature après la transformation. Mais Absolute Amnesia était très puissant, très spécifique. Elle a commencé une discussion qui critiquait la littérature des femmes. Ici, il y a une citation assez longue, alors je ne vais pas la traduire au total, mais Świerko dit ici qu'il y avait une guerre entre deux générations des hommes écrivains, comme la théorie de Harold Bloom. Mais avec Absolute Amnesia, des deux générations des hommes ont réuni pour lutter avec la littérature des femmes. Parce que la littérature des femmes, l'idée que les femmes pouvaient occuper leur place dans la littérature en Pologne, était aussi un foyer qu'il a fallu de lutter contre les femmes au lieu de lutter parmi des générations des hommes. Enfin, je commence par parler sur Isabelle Amorska et Filipia. Ces textes ne sont pas traduits en français, mais je trouvais une petite information sur Amorska dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France. Vous le voyez ici. Alors, Amorska est décrite comme romancière, poétesse, essayiste, éditorialiste et professeure d'anglais à l'Université de Gdańsk, parce que, comme Piotr a dit, c'est vrai, Amorska est une écrivaine, mais aussi une enseignante à l'Université de Gdańsk. Peut-être il serait important de mentionner ce changement de nom de famille, parce que ne savait pas parce que c'était Isabella Filipia, que maintenant c'est Isabella Morska. Ce n'était pas à cause du mariage, ce n'était pas à cause de sa famille. Elle a décrit ce changement dans son dernier livre, Znikanie. C'est un livre assez autobiographique où Morska décrit sa maladie. Elle dit qu'après sa maladie, elle a décidé de devenir une autre personne, aussi de finir avec l'histoire de sa famille, parce que cette histoire de maladie, ce n'est pas non seulement la maladie physique, c'est aussi la maladie psychique ou en général liée à l'histoire de la famille d'Isabella Morska. Morska, c'est un adjectif qui fait une référence à la mer, parce que Gdańsk, Gdynia ou Morska et Né, ce sont des villes qui sont au bout de la mer en Pologne. Alors elle a décidé, ok, je viens de Gdynia, pourquoi pas Morska, c'est un nom de famille assez naturel pour moi ici. Elle a devenu maître des études polonaises. Patron de sa thèse était Maria Janion. Maria Janion, c'était une personne très importante dans les études des femmes en Pologne. Elle était une première femme, peut-être, de commencer des études des femmes, mais aussi des études queer, un peu. Et puis, Morska a aussi décrit sa thèse, son doctorat avec Maria Janion. Ce doctorat est aussi un livre très important, mais je vais le mentionner après. Elle a décidé d'émigrer. Elle vivait quelques temps à Paris, mais surtout à New York. À cette époque, elle a commencé à publier sa littérature. C'était surtout la prose, mais aussi la poésie. Ici, vous voyez la liste de ce livre. Il y a aussi
Oui, il y a aussi ce livre en anglais, Glorious Outlaws. C'était ce livre académique, je crois. Mais surtout, il y a des récits, Smerti Spirala, Nibeska Menageria, le roman Absolutna Amnesia, une collection de poésie, Madame Intuita, mais aussi une pièce d'art, Księga M, et aussi un livre académique, Obszary Odmienności. Ce qui est aussi très important dans la vie, dans le fonctionnement de Morska en Pologne, c'est aussi sa coming out à la télévision. Elle était peut-être la première personne à faire le coming out officiellement à la télé. C'était dans le programme assez populaire. Maintenant on dit que c'était coming out, mais comme Morska est plutôt une personne queer, c'était un peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'à ce programme à télé, elle a dit oui, j'aime des femmes. C'était une grande sensation, une grande chose. Ce phénomène, cet événement a été analysé par des journaux de femmes, des journaux féministes, parce qu'on a trouvé cet événement très important en Pologne. Piotr a aussi mentionné le contexte littéraire qui sont très importants pour Morska, pour sa littérature. Par exemple, Eliza Orzeszkowa, qui était une des plus importantes écrivaines de la littérature polonaise dans le 19e siècle. Ici, j'ai mis que Orzeszkowa était critiquée par Morska. Ce n'est pas totalement vrai, mais c'est vrai que pour Morska, Orzeszkowa était très, très conservatif. Elle a représenté ce discours traditionnel où la femme doit fonctionner comme la mère, comme la femme qui soutient un homme. Mais c'est aussi important que Orzeszkowa a lutté pour les droits des femmes. Elle-même avait une biographie très compliquée, elle s'est divorcée. Elle était une femme indépendante à l'époque, c'était assez beaucoup. Narcyza Rzmichowska, qui était même avant Orzeszkowa, plutôt admirée par Morska. Rzmichowska, on l'a décrit comme en fait, une première femme qui a mentionné un désir lesbien, lesbien dans son livre Poganka. C'était un désir caché, ce n'était pas exprimé ouvertement, mais c'est vrai qu'on cherche cette trace de l'amour lesbien en fait, dans ce livre. Aussi, le contexte de la génération est très important, comme Isabella Morska, Philippe a commencé à fonctionner comme une écrivaine. C'était une partie de la génération des auteurs comme Natasha Gerke, Manuela Gretkowska et comme vous voyez aussi Olga Tokarczuk, qui, comme j'ai déjà dit, au début de sa carrière, a été associée avec la littérature féminine, même peut-être féministe. Maintenant, elle est plutôt au milieu, au centre de la littérature polonaise, mais à l'époque, elle était associée, par exemple, avec Isabella Morska. C'était aussi à cause des sujets de son roman, par exemple, le sujet de la menstruation. C'était Gretkowska, Tokarczuk et Filipia, qui était la première femme, presque première femme, de parler de la menstruation dans ce livre. C'était une grande chose. Ici, j'ai mis aussi quelques noms des écrivaines contemporaines qui peut-être continuent ou font référence à Morska. Par exemple, c'est Eva Schilling, qui est une des écrivaines lesbiennes en Pologne, mais aussi, par exemple, Marta Dzido, Anna Tcherkowska. Ce sont des écrivaines qui consacre beaucoup de ce livre au sujet de la féminité, de fonctionnement de femmes en Pologne en général. Enfin, c'est
Isabella Morska, le sujet de la féminité. Comme j'ai déjà dit, c'était aussi mentionné par Piotr, pour Morska, féminité, un phénomène entre féminisme et théorie queer, en fait, ce n'était pas une féminité essentielle. Et aussi, cette complexité, on la voit dans toute activité de Morska, qui est artiste, qui est écrivaine, mais aussi enseignante. Alors, elle mélange la théorie avec la littérature. On le voit dans ces textes académiques, qu'il y a des discours littéraires dans ces textes, mais aussi sa littérature est inspirée par la théorie queer, par exemple. Je crois que le but de l'activité de Morska est de trouver un langage pour décrire l'altérité, la différence. Ici, je cite un article de Błażej Warkocki, Poszukiwanie języka o twórczości Izabeli Filipiak, La recherche du langage sur les œuvres d'Isabella Filipiak. J'aime ce titre parce que cette phrase, La recherche du langage, c'est une démonstration de l'idée de Morska, je crois. Enfin, Absolute Amnesia, comme j'ai déjà dit, la publication de ce livre a beaucoup changé dans la discussion autour de la littérature féminine et féministe en Pologne. Dans ce livre très complexe, postmoderniste, il y a beaucoup de symboles féminins et féministes. Par exemple, il y a une araigne, alors on peut l'interpréter comme référence à l'arachnologie. Arachnologie, cette théorie d'écriture féminine proposée par Nancy K. Miller. Il y a aussi le dialogue avec la tradition. Il y a beaucoup de symboles, beaucoup de personnes de la littérature polonaise, mais aussi du monde entier, qui sont réinterprétées de la perspective féminine et féministe, par exemple Iphigenia. Mais aussi Isabella Orzeszkowa, écrivaine polonaise, est là. Sa biographie est aussi réinterprétée par Morska. Elisa Orzeszkowa est mentionnée comme Elisa Pawłowska dans ce livre. Et aussi la personne de Maria Komornicka, de Piotr Włast, qui est le sujet de le doctorat de Morska est là. Ce sujet est déjà mentionné dans ce livre, aussi dans le contexte de la folie féminine, mais je reviendrai à ce sujet un peu plus tard. En général, on peut dire que dans ce livre, on voit en fait plusieurs dimensions de la différence. Ce n'est pas non seulement la différence de femmes, mais aussi c'est la différence de personnes queer, la différence des enfants qui sont dominés par des adultes, etc. etc. Alors, déjà là, on voit plusieurs sujets, plusieurs problèmes qui sont importants pour Morska. Et comme j'ai déjà dit, il y a aussi le sujet de la première menstruation, la période qui a choqué les gens à l'époque. Et à cause de ça, on a appelé, on a utilisé un nom pour décrire la littérature de Morska, mais aussi Olga Tokarczuk, la littérature menstruelle. On ne sait pas qui a créé ce nom, mais la critique, des critiques des hommes qui ont été analysé ce livre aimaient utiliser ce nom pour commenter cette phrase, cette expression. Morska a écrit un essai, Littérature menstruale, la littérature menstruelle, pour discuter et pour analyser et montrer la violence cachée devant cette expression. Puis aussi des récits de Morska qui ont en fait procédé Absolute Amnesia, ils sont aussi très importants. Ici il y a quelques citations, mais ce que je voudrais montrer surtout, ce sont des sujets de ces récits. Ces récits sont très queer. Ils discutent par exemple la performativité du genre,
ou le théâtre du genre. Dans ces deux premières citations, vous voyez en fait des citations qui semblent avoir été menées de théories de Judith Butler. Dans la première citation, il y a, c'est un récit plus tout le monde, c'est un récit sur, on peut dire, un bordel queer. Il y a des personnes qui en fait jouent le rôle de quelqu'un dans ce bordel. Et ici, dans la première citation, cette personne décrit comment on performe, comment on semble d'être une femme ou un homme. Il y a tellement de choses qui sont importantes, comme tu t'assieds, comme tu te lèves, comme tu te bouges. Cette personne dit aussi que c'est beaucoup plus difficile de créer un effet de naturel que s'identifier avec un seul genre. Mais ce qui est aussi important dans la littérature de Morska, ici dans le récit, c'est la violence sexuelle. Ici, il y a une citation. Nie trzeba być kobietą, żeby zostać zgwałconym, ale on tym pytaniem mnie wyróżnił, w tym pytaniu mnie sobie utrwalił. Teraz już czuję, jak bardzo jestem kobietą. Alors, cette personne dit, ce n'est pas nécessaire d'être femme afin d'être violée, mais avec cette question, parce que cet homme a mentionné le viol. Je crois qu'il a demandé à cette femme, à cette personne, s'il a été violé par un client. Dans cette question, il m'a renforcé. Maintenant, je sens que je suis une vraie femme parce que j'étais associée avec la possibilité d'être violée. Alors, ce qui est aussi important, c'est la discrimination des femmes, l'oppression. Dans la dernière citation, c'est un fragment d'un récit consacré à mouvement de solidarność, à opposition anti-communiste en Pologne, où Morska mentionne que des femmes ont été marginalisées dans ce mouvement. Bien sûr, ils ont soutenu le mouvement, mais il n'était pas voyé comme une personne très importante, une personne puissante dans ce mouvement. Et probablement, par conséquent, on voit maintenant le compromis concernant l'UVG, parce que ce compromis, c'est aussi une preuve que les femmes n'étaient pas importantes, n'étaient pas très puissantes dans ce mouvement de solidarité. Aussi, déjà dans le récit, il y a le sujet de non-hétérosexualité, il y a l'amour lesbien, mais aussi l'amour hétérosexuel. Ce qui est très caractéristique par Morska, c'est que parfois, même dans un récit, le caractère, le personnage mélange cette femme à un partenaire masculin ou féminin, c'est très flexible, c'est très caractéristique. Et aussi la migration. La migration est un sujet très important de récit de Morska. Bożej Warkocki a fait cette conclusion ici que les sujets de récit de Morska sont émigration, féminité, altérité ou différence. Et ça, c'est tout mélangé pour Morska. Puis, il y a poésie ramassée dans la collection Madame Intuita. C'est un dialogue, en fait, la polémique avec Zbigniew Herbert. C'était un des plus importants poètes contemporains en Pologne. Il a écrit une série de poésies sur Monsieur Cogito. Madame Intuita, vous voyez ce jeu de mots ici, c'est une polémique avec cette poésie très phallocentrique de Herbert. Mais c'est aussi un théâtre. Ici, vous voyez une citation de Morska qui a décrit sa poésie que c'est « pisanie to zakładanie masek, a zarazem ich zdzieranie ». C'est-à-dire, écrire, c'est de habiller le masque, mais en même temps de le déshabiller. Alors, c'est un jeu. Par
conséquent, le lyrique du masque du rôle est très important dans cette collection. Il y a beaucoup de personnages utilisés par Morska pour parler de plusieurs phénomènes, par exemple relations avec des femmes, mais aussi la recherche du langage et aussi marginalité. Ici, je dis que cette collection est un éloge de la marginalité, parce que la marginalité est une condition très positive pour Morska, et on le voit déjà dans cette collection. Ce qui est aussi important, c'est le sujet des femmes et de l'oralité. Ce sont des sujets peut-être pas très bien analysés dans la littérature de Morska, mais ils sont souvent présents dans ces livres. Peut-être c'est une chose d'analyser de plus à l'avenir. Enfin, il y a ce personnage Komornitska ou Voice, mentionné par Piotr et par moi. Pourquoi on utilise deux noms? Vous voyez ici que Maria Komornitska, Piotr Odmieniec, alors l'autre, différent, Voice, était une écrivaine ou un écrivain qui était née comme Maria Komornitska, mais a décidé de commencer à fonctionner comme un homme. Piotr Odmieniec Vlast. Piotr Vlast était quelqu'un de la famille de Morska. Comme vous voyez, sa décision n'était pas acceptée par sa famille. Par conséquent, Vlast était séparé de la société. Au début, il était placé dans hôpital pour des personnes avec des troubles mentaux, mais à l'époque, c'était horrible, vous le connaissez très bien de l'analyse de Michel Foucault. Après, pendant la Première Guerre mondiale, Voice a été placé avec sa famille pour le reste de sa vie. Komornitska Voice est une personne très importante pour Morska. Elle a consacré plusieurs textes à Komornitska Voice. C'était, comme vous voyez, un livre académique, Obszary odmienności, c'était son doctorat, mais aussi c'était une pièce de théâtre, Księga M. Donc, ce livre, Księga M, on voit aussi un essai, c'est un essai attaché par Morska pour cette pièce, Moje życie z Marią, Ma vie avec Maria. Où Morska décrit sa relation très personnelle avec Voice ou Komornitska. Mais aussi Komornitska, Voice est déjà présente dans Absolute Amnésie. Je crois que cette personne n'est pas mentionnée par son nom, mais il y a allusion, et on sait très bien que ce sont allusions, que ce sont références à la biographie. La littérature, ce phénomène de Komornitska, Vlast. Et pour Morska, je crois que Vlast est très important parce qu'il ou elle montre la féminité à la manière queer. On le voit ici. Ici, il y a une citation de Obszary odmienności où Morska présente sa perspective sur la différence. Ten gest poszerzania zrazu bezpański z czasem coraz bardziej swoich pól, etc., etc. C'est-à-dire, c'est important de développer le territoire qui sont maîtres, mais qui devient de plus en plus propre. On peut se placer dans le margine, afin de la trouver son lien d'inspiration, son territoire et ce geste. La plus efficace méthode pour se placer, pour trouver sa place dans la culture. Tak to odmienność okazuje się rozległą formułą egzystencji. C'est comme ça, la différence devient une formule très vaste de l'existence. Alors on voit que la différence, la marginalité n'est pas un problème pour Morska, c'est une source de la puissance, de l'originalité, de l'indépendance. Et on voit cette perspective aussi dans le texte académique consacré à Morska,
Ici, par exemple, Svirkos dit que pour Morska, il n'y a pas cette alternative albo-albo, c'est-à-dire ou-ou. Ici, Svirkos analyse l'attitude de Morska envers le canon de la littérature. Svirkos dit que Morska ne fait pas un choix clair entre la tradition, le canon et la marginalité. Et enfin, on voit la citation de Błażej Warkocki où elle analyse Księga M, cette pièce de théâtre consacrée à Komornicka au Włast. Ici, on dit d'une autre qui n'est pas moderniste, mais postmoderniste. Il n'est pas fermé dans le paradigme de la minorité, le paradigme basé sur le malheur, l'émigration. Cet autre n'est pas à la marge de la culture, c'est un autre récupéré, dont l'identité n'est pas claire, afin de questionner le régime de la régulation, de narration et de violence cachée. Queer, homo neviadomo. Homo neviadomo, c'est une expression qu'à l'époque on a utilisée en Pologne pour dire, pour décrire personne non hétérosexuelle. Mais c'était offensif, ce n'était pas très poli. Mais pour Warkocki, homo neviadomo, c'est comme un nom polonais pour le mot queer. Parce qu'en Pologne, typiquement, on utilise le mot queer, on n'a pas trouvé une expression très exact, mais homo neviadomo pourrait être peut-être une traduction. Enfin, j'ai mentionné d'autres textes de Morska, par exemple Alma, c'est un livre très spécifique, très compliqué, texte très hybride qui a forcément critiqué parce que c'est un texte très difficile à lire, à analyser, à interpréter, mais par exemple Piotr Sobolczyk, d'autres auteurs, a trouvé l'esthétique gothique dans ce livre, ce qui est très important de la perspective queer, parce que gothicisme, l'esthétique gothique, est aussi un domaine très queer. On voit beaucoup de traces de la perspective queer, de la différence dans l'esthétique gothique. Ce qui est aussi important et intéressant, c'est que Morska a publié un livre, on peut dire un guide pratique, un ouvrage pratique, Twórcze pisanie dla młodych panien, alors a creative writing pour des jeunes femmes. On peut dire que dans ce livre, Morska parle de la culture féminine, mais encore une fois, ce n'était pas si facile. Parce que pour Morska, féminité, être une femme écrivaine, c'est plutôt une condition de la différence. Alors, elle parle de sujet, de décrivait la différence. Elle donne quelques idées, comment exprimer l'altérité, la différence. Non seulement la différence d'être une femme, mais en général, la différence d'être une minorité, marginalisée, etc., etc. Ce qui est aussi important, c'est le fait que Morska a publié beaucoup de feuilletons, aussi dans les journaux liés au milieu LGBT en Pologne, mais aussi dans les journaux pour les femmes. Beaucoup de ces feuilletons ont été ramassés dans cette collection Cultura Obrażonych. Et enfin, il y a son dernier livre que j'aime beaucoup, c'est Znikanie. On pourrait dire la disparition, mais ce n'est pas une traduction exacte, parce qu'on ne peut pas montrer cette différence entre Znikać en français. Parce que Znikanie, la disparition, c'est un processus fini. Znikanie, c'est un processus de disparaître. Alors, ce n'est pas fini. Il y a le jeu aussi avec l'amnésie absolue, je pense, parce que oui, la disparition et l'amnésie, donc tous deux se réfèrent à l'oubli, voilà, oui, et de réduction. Dans ce livre, qui est un texte
hybride aussi, c'est un essai, c'est un discours philosophique, mais aussi une biographie, autobiographie en fait. Morska décrit théoriquement sa maladie, sa lutte contre sa maladie, mais en fait c'est plutôt le texte qui parle de plusieurs dimensions de la discrimination. La féminité est très importante dimension aussi, parce que Morska montre comme femmes sont discriminées dans le discours médical. Mais aussi non-hétérosexualité joue un rôle très important aussi dans le contexte polonais. Mais enfin, Morska, ce qui est très important pour nous et ce qui est analysé par Piotr Sobolczyk dans son recension de ce livre, Morska décrit aussi la situation des enseignants en Pologne, de l'Académie polonaise qui est très condition très difficile pour les personnes qui travaillent dans ce domaine. Et c'est aussi le sujet de son dernier récit récemment publié sur la page web Gdańsk Miasto Literatury. C'est un projet en ligne, vous pouvez le trouver. Et il y a un texte par Morska intitulé Strażniczka Sekretu. Et c'est aussi un texte sur l'Académie, c'est un peu un campus novel, c'est pas le roman, c'est un récit. C'est très, très intéressant, très compliqué. On peut le voir et l'analyser. Bon, alors ici il y a biographie, mais bien sûr il faut que je fasse une conclusion. Alors, ma conclusion est assez simple, mais aussi je crois ouverte. Comme on a déjà dit, la féminité. Le langage de la féminité pour Morska, c'est le langage de la différence, de la marginalité, c'est plutôt la féminité entre guillemets, c'est la féminité queer, parce que Morska essaye toujours d'échapper à l'étiquette, de trouver la joie, en fait, la joie dans la marginalité, dans la différence, et ce qui est aussi très caractéristique pour sa littérature créative, mais aussi académique, c'est une énorme empathie, sensibilité, parce qu'elle elle consacre sa créativité pour parler de tout le phénomène, surtout des personnes qui sont marginalisées, qui ne sont pas au centre du discours public. Et peut-être ça serait le sujet majeur de sa littérature. Et aussi, c'est le sujet qui peut être associé avec la perspective queer, parce que queer compris comme une théorie très vaste, très grande, ne se limite pas à la sexualité. Queer s'occupe de marginalité, de la différence, de tous les détails qui nous forment, tous les facteurs qui nous rendent marginalisés ou pas marginalisés. Cette analyse très, très détaillée de la situation des individus, peut-être, il serait une chose aussi très caractéristique pour Morska et pour sa version du langage féminin et féministe en Pologne. Merci. Voilà. Merci. Et merci Katarzyna Lisowska pour cette intervention riche, complexe. Vous avez entendu beaucoup de noms, des écrivaines, des écrivains. Il y a aussi le paysage historique, social, avant 89 et après 89. La situation politique. Donc, ça reste cette question-là, hein, de rapport entre le féminisme, je dirais, politique, le féminisme académique, parce que ce sont deux champs tout à fait différents, hein, c'est-à-dire de recherche littéraire, de recherche anthropologique, voilà, avec cette définition de la féminité qui est une sorte de non-définition, finalement. En tout cas,
le potentiel de ce langage est assez grand, hein, c'est-à-dire que ce langage-là déstabilise le système. Il ne s'agit pas de remplacer la masculinité par la féminité, par exemple, hein, toutes deux dans l'approche essentialiste. Non, pas du tout. Il s'agit de déstabiliser, déconstruire toutes ces catégories et placer au centre un individu qui n'est pas... défini comme ça, hein, qui n'est pas avec l'identité pas très claire. Avez-vous des questions posées à Katarzyna Lisowska? Je fais un commentaire. Oui, après, Piotr, d'accord, après deux questions, si c'est possible, d'accord? Parce qu'il y a des questions. On n'est pas seul ici. Tu ne vois pas, mais il y a 30 personnes et il y a des questions. Est-ce que dans l'écriture langagière, polonais, on retrouve quelque chose qui se rapproche en français de l'écriture inclusive et de cette recherche de développer justement le féminin à l'égal du masculin. Parce que quand on prend les genres en polonais, souvent on va retrouver du coup le féminin classé avec le neutre. Et donc comme s'il y avait d'abord le masculin et puis le reste. Mm-hmm. Oui, alors maintenant, on pourrait dire que Morska essaye aussi de d'inclure la masculinité dans ce livre, mais je dirais que la chose que vous avez mentionné, c'est une chose assez nouvelle en Pologne, parce que maintenant on voit de plus en plus livres consacrés aux personnes non-binaires. Je sais que c'est aussi un sujet très intéressant et important pour mes étudiants. Maintenant, il y a plutôt la traduction. C'est toujours le problème, comment traduire le livre qui joue avec le prénom dans la langue polonaise, comme vous avez dit, qui est très, très fort, très gendered, on pourrait dire en français, le genre au niveau de grammaire est aussi très, très visible dans la langue polonaise. Bon. Il s'agit de l'écriture inclusive, ça dit qu'on utilise, parce qu'on dit par exemple, on écrit comme ça avec point, ben, écrit vin, écrit ven, tout ça, donc il y a le genre neutre en polonais, hein, vous savez, oui. Elisabeth, hein, mais très bien. Comment le faire, parce que okay, c'est possible de rendre la langue ouverte pour les femmes et les hommes, mais pour inclure des personnes neutres, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a plusieurs stratégies de l'exprimer en polonais. Il y a chaque personne a sa préférence. Alors, par exemple, récemment, mes étudiants m'ont dit qu'ils aiment des prénoms neutres. Et je ne sais pas c'est quoi le prénom neutre, le prénom poli, la politesse. Alors, ok, il y a ono, etc. Mais en polonais, on a pani, pan, et c'est tout. Il y a państwo, panie, panowie, mais il n'y a pas de prénom neutre. Alors, il y a même un site web avec une liste de stratégies d'exprimer plusieurs identifications en polonais. Mais c'est une chose ouverte. Je vois. Que c'est de plus en plus populaire, mais ce n'était pas la règle encore, parce qu'on ne sait pas comment le faire, mais il y a des linguistes qui disent ok, il faut le lasser aux des personnes non-binaires, ce n'est pas possible pour nous, les linguistes, de
décret les règles, il faut attendre pour eux de trouver une solution. Et puis, on va décrire ou des choses comme ça. Mais c'est assez compliqué au niveau du langage en Pologne. Oui, mais peut-être il faut ajouter qu'avant l'écriture inclusive, quand même à cause de la féminisation de métiers assez importante lors de la Pologne populaire, voilà, donc il y a presque pour chaque métier, il y a la version féminine, donc ce qui est nouveau, c'est non-binarité. Parce que, par exemple, la Bible, comment traduire la Bible aujourd'hui? Parce que Dieu, pourquoi il est homme? Hein, voilà, Dieu est une personne non-binaire, finalement. Hein, c'est l'essence même de Dieu, hein, d'être à la fois féminin, masculin. Hein, donc, il faut alors souligner ce fait linguistiquement, hein, et en utilisant... toutes ces formules-là, toutes ces formes, paraît bizarre. Hein. C'est-à-dire, mais c'est normal au début que tout ça est bizarre, mais après, voilà. Donc, on peut dire que la langue polonaise appartient aussi à ce mouvement, voilà, de l'écriture inclusive, évidemment, et en plus, grâce à genre neutre, de ça c'est la solution, hein, stylistique et grammaticale, d'utiliser à nouveau le genre neutre pour exprimer cette identité pas très stable ou entre le deux ou voilà. Oui, le problème aussi c'est possible de créer beaucoup de noms féminines en polonais, mais beaucoup de femmes, surtout quand il s'agit de professions, préfèrent utiliser la version masculine. Il y a plusieurs raisons. Par exemple, moi, jamais décrit comme wykładowczyni, comme maître de conférence, maîtresse de conférence, voilà. Pas wykładowca, maître de conférence, mais surtout dans les professions liées certain prestige comme maître de conférence, beaucoup d'hommes, aussi hommes et femmes, trouvent la version masculine plus prestigieuse. Mm. Alors, il y a des femmes qui sont maîtresses de conférence qui préfèrent utiliser maître, wykładowca ou comme médecin. Surtout que parfois il y a des problèmes avec la prononciation. Par exemple, chirurg en polonais, la version féminine serait chirurgka. Pour moi, ça marche, mais pour beaucoup de gens en Pologne, c'est assez bizarre. Chirurgka, pourquoi chirurgka? Parfois, il y a un vrai problème avec prononciation, par exemple, architecte, version féminine serait architectka. Pour le polonais, architecte. C'est déjà difficile, ou psychiatre, psychiatrica, etc., etc. Alors, au début du XXe siècle, même les linguistes ont essayé d'encourager les femmes d'utiliser le nom féminin pour décrire la féminisation de la profession de vie de travail à l'époque. Mais beaucoup de femmes disaient non, c'est pas sérieux, ça semble assez bizarre, nous préférons la version masculine. Une autre raison, c'est le fait que souvent, pour créer une version féminine d'un nom, on utilise le suffixe K, comme nauczyciel, professeur, nauczycielka. Mais ce suffixe K, il y a beaucoup de fonctions. Par exemple, on fait aussi le nom d'objets ou de salles ou aussi des minutes.
diminutif. Diminutif. Voilà, pour beaucoup pas de sérieux, femmes, hein, c'est pas sérieux, comme on dit, car c'est moins sérieux que la version sans, c'est car. Bon, alors c'est compliqué. Et voilà la leçon du Kramer pour les d'autres questions, s'il vous plaît. Ça marche. Oui, ça marche. Ma question, plutôt des réflexions, parce que c'est du point de vue linguistique, plutôt, parce que le mouvement de déconstructivisme qui avait démarré il y a plusieurs décennies et qui n'a pas commencé par les catégories linguistiques, mais dans la société, les systèmes philosophiques. Avec le nom de Derrida, avec Ricoeur, on a fait beaucoup de choses, c'est-à-dire, c'était un grand mouvement de déconstruction des choses, des catégories, toutes différentes, des catégories sociales. Mais dès qu'on touche à une langue, qui est aussi un système, et là, on parle, par exemple, moi je peux parler comme spécialiste en grammaire. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui sera après? Parce que regardez ce qui s'était passé avec le passage, disons, du latin, qui était une langue parfaitement synthétique, et qu'est-ce qui a causé ensuite sa transformation en langue analytique, à tendance analytique, comme le français par exemple. La perte du neutre, c'est juste le déplacement de l'accent, et ensuite, la catégorie du neutre avait disparu. Et le système des cas s'est effondré. À l'époque, regardez ce qu'on va faire, par exemple, avec la classification qui existe en français parfaitement, il y a le masculin et le féminin, mais qui est devenue la catégorie du genre tout à fait formelle. Par exemple, tous les objets sont classés parmi le féminin et le masculin. Et je pose, dans ce cas, je vous pose la question. La table, en français, qu'est-ce qu'il a du féminin? Et le fauteuil, qu'est-ce qu'il a du masculin? C'est-à-dire, ce sont des catégories tout à fait formées. Pour le polonais, l'idée est bien, hein, parce qu'il a le neutre. Mettre tout dans le neutre. Est-ce que tout le monde sera d'accord d'être classé du neutre? Vous voyez, c'est-à-dire, on est au seuil d'une révolution, on peut dire, sémantique, pas seulement sémantique, mais aussi linguistique. C'est-à-dire, on va importer un très grand désordre dans tous les systèmes linguistiques, en commençant par l'écriture inclusive. Parce que ça peut rester en effet du monde, les systèmes d'écriture qui sont très traditionnels, mais dès qu'on y touche, c'est juste le début, c'est-à-dire on tire un peu la diable par le cœur. Ensuite, tout va basculer. Peut-être ce n'est pas une très bonne idée de faire bousculer le système linguistique. C'est là, parce que c'est une porte qui va... Je ne sais pas. Je me pose la question, qu'est-ce qui va suivre quand on a tout déconstruit sur le plan formel? Je vous avez la réponse? C'est plutôt l'idée d'inclure, pas exclure. Alors, en polonais, maintenant, on le voit dans l'anglais, dans la langue anglaise, où on essaye de cacher le genre. On utilise ces formes qui sont neutres, gender neutral language, pour ne pas exprimer le genre. Mais pour moi, personnellement, ce n'est pas la solution parce que moi, je m'identifie avec la féminité, alors je ne suis pas osoba wykładowcza, une personne maîtresse, maître de conférence, parce qu'en polonais, une solution pour exprimer la neutralité, c'est d'utiliser le mot osoba, une personne, avec un adjectif qui décrit cette personne. Alors, au lieu de dire studenti, studentki, étudiant, étudiante, on dit osoby studentskie, personne étudiante. Bon, et c'est possible, mais moi, je suis une femme et j'aime l'exprimer. Alors, pour moi, c'est juste
cette idée est de créer davantage de noms. Par exemple, maintenant, quand j'adresse mes étudiantes, hommes-elles, j'utilise trois formes: Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Szanowne Osoby, chère Madame, Monsieur, personne. Parce que je veux faire référence aux personnes qui s'identifient avec masculinité, féminité et d'autres personnes. Mais ce n'est pas une solution parfaite, parce que déjà avec la féminité en polonais, il y avait ce problème que c'est possible, mais ça rend le texte plus long, parce qu'il faut toujours mettre deux formes de noms, mais comme en polonais, malheureusement, le système de cas n'est pas fondu. Il existe beaucoup de cas. Il faut faire un accord, le nom avec adjectif, le verbe, blablabla. Alors, si j'utilise deux noms, masculin et féminin, il faut faire un accord avec d'autres formes. Alors, on appelle splitting en anglais, et ce n'est pas très économique. Mais ok, c'est juste pour féminité, masculinité. Si on ajoute neutralité, là, c'est encore plus compliqué. C'est le problème. Mais comme vous avez dit, cette déconstruction, pour moi, l'idée, ce n'est pas de remplacer féminité, masculinité avec neutre, c'est d'inclure sans placer une forme au centre. C'est la manière queer et déconstructive. Mais ce n'est pas très économique. Vous voyez ce qu'il faudra après faire avec tout ce qui existe déjà comme texte, la réécriture, parce que vos enfants que vous aurez, les petits-enfants que vous aurez, ils n'auront pas accès à la littérature écrite par vos contemporains, parce qu'il faudra avoir des traducteurs et des traductrices pour pouvoir accéder au texte, parce que ce sera... Je donne toujours cet exemple aux étudiants français. Quand ils lisent François Rabelais, par exemple, c'est pas facile cette lecture. C'est-à-dire, il faut penser aussi à la tradition qui existe. Et quand la tradition est démolie dans les systèmes linguistiques, notamment dans l'écriture, ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Pensez à tous les dictionnaires qui existent, qui avaient existé, ça deviendra la lettre. C'est ça, il y a beaucoup de choses qui se font dans la société, on est d'accord, mais il faut quand même réfléchir, il faut être pratique. Oui, oui, c'est vrai. D'accord, merci pour cette réflexion linguistique. Donc, Katarzyna vient de dire qu'il y a de cas en polonais, hein. Il y en a sept. Comme cette conférence, cet langage, on a toujours hashtag cette fois, cette. D'autres questions? D'accord, donc peut-être Piotr Sobolczyk, qui est à Cracovie ou à Gdańsk, je ne sais pas où exactement. C'est Lublin. Où? Lublin? Ah d'accord, Lublin. Oui. Donc c'est à l'est de Pologne. Bonjour. Oui, mais on... C'est à personne, il faut dire. Oui, mais on entend mal, Piotr. On entend mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord, recommence. Maintenant, c'est mieux. D'accord. Donc, encore une fois, bonjour à toutes et à tous et à toutes les personnes. Suivant l'expression de Kasia, cześć Piotr, cześć Adrien. Je voudrais faire un commentaire, souligner que Isabella Morska a souvent créé et reformuler des langages littéraires existants, c'est-à-dire qu'elle cherche un langage pas transparent et pas très simple, ce qui est
exemple à Olga Tokarczuk. Olga Tokarczuk, qui est une écrivaine second dite du 19e siècle, c'est pas totalement vrai, mais il y a quelque chose dans ça. Donc, Olga Tokarczuk, qui utilise des narrations du 19e siècle, de forme, disons, transparente de langage, de la narration, pas seulement simple, mais c'est une narration très différente, et le style surtout. Donc, dans le cadre de langage de féminisme, il faut, je crois, il faut souligner que Isabella Morska, c'est pas tellement facile à lire que, par exemple, Olga Tokarczuk, qui, pour beaucoup de la part des critiques littéraires, a expliqué aussi le phénomène de succès d'Olga Tokarczuk, et par contre, des problèmes, disons, des problèmes d'Isabella Morska avec l'entrance, la sacrification, disons, dans le canon général, non seulement le canon queer, parce qu'elle est admirée par des générations de queer, des artistes et des écrivains queer, comme moi par exemple aussi, mais dans le canon dit général. Donc c'est aussi le problème de langage, et on voit ce langage très compliqué dans Alma, comme Café a dit, mais aussi dans les drames Xinga M. Peut-être ce que le plus facile en fait, c'est la poésie. C'est le plus facile, disons, le plus clair, le plus Apollo. Je dirais que Olga Tokarczuk, c'est Apollo, et Isabella Morska, c'est Dionys. Mais c'est ce qui est le moins Dionys dans l'œuvre d'Isabella Morska, c'est sa poésie. Et sa poésie, c'est l'unique livre d'Isabella Morska qui a été traduit à l'italien. C'est une traduction exclusive, il n'y a pas d'autres langues. Donc merci. Merci Piotr pour ces commentaires. Et il faut que qu'on finisse, qu'on termine notre conférence. Peut-être d'autres commentaires ou de voix, de position. D'accord, donc je te remercie à nouveau. Kasia Lisowska de l'Université de Wrocław. Et puis je vous remercie beaucoup à toutes et à tous. Et on se voit, j'espère, le 12 décembre. Là, donc, par contre, ce sera la conférence sur la masculinité. La nouvelle masculinité. Merci beaucoup. Merci.